cette nouvelle vidéo de Voyage au centre de la Seine. Alors, une vidéo chronique, une petite chronique du nouvel album, ou plutôt le premier album de Breeding Chaos, Distant Planets. Alors, j'avais déjà parlé de Breeding Chaos l'année dernière, avec leur premier mini-CD, donc Destruction Matters, qui était doté d'une superbe pochette. CD 4 titres, j'en avais dit beaucoup de bien. Et je me rappelle à l'époque, j'avais dit, ça serait bien que, voilà, qu'ils continuent dans cette voie, évidemment, qu'ils sortent un nouvel album et qu'on ait un CD avec un livret, des photos et ainsi de suite. Alors j'ai été presque écouté, c'est-à-dire que là on a un superbe digipack avec un très beau livret qui contient donc les paroles, hein, les paroles des 10 morceaux, enfin les 7 morceaux plus les 3 instrumentaux également, et voilà la ligne de crédit de remerciement et ainsi de suite. La pochette, voilà, une belle pochette. Hein. Alors, je ne sais pas si, comme la précédente a été faite par une IA, je crois. Celle-ci, je ne sais pas, j'avoue, je ne me suis pas plongé dedans. Mais je la trouve plutôt sympa. Mais comme toujours, bon, je pense que ça rendrait encore plus en 33 tours, hein, évidemment. Alors, ceux qui se rappellent de Breeding Chaos, j'avais dit, c'est une sorte de, on va dire, de death metal avec des passages, on va dire, un peu industriels. C'est-à-dire, ne vous attendez pas du death old school, comme j'ai pu parler il y a quelques jours pour par exemple, ou des groupes comme Voriz, hein, mais plutôt, voilà, un groupe qui va chercher ses influences dans le metal extrême, évidemment, mais également du côté de certains groupes, je ne sais pas moi, comme Godflesh, par exemple, pour certaines ambiances. Alors, pas au niveau de la batterie, parce que là, on a 4 musiciens, hein, des musiciens humains, hein, des vrais de vrais, hein, pas des machines. Mais il y a quand même ce côté, ce rendu industriel, je trouve, sur certains types, qui donne eh bien, tout leur cachet à la musique de Breeding Chaos. Breeding Chaos, je le rappelle, c'est le nouveau projet de Bruno de Nothingness, hein, un groupe de la région d'Avignon, hein, qui avait sorti plusieurs démos, qui a pas mal fonctionné au mi-temps des années 90, 91, 92, hein, jusque-là. Et et en 2020, Bruno était reparti donc sur un nouveau projet. Hein. Au départ, ça avait juste un projet pour, en quelque sorte, pour se passer le temps pendant le Covid. Et finalement, c'est transformé en un vrai projet de musique, un vrai groupe qui a joué donné des concerts. Hein. Donc là, qui sort le premier album, donc chez Breeding Chaos. Donc, sur cet album, eh bien, on est dans la continuité de Destruction Matters. C'est-à-dire des titres que je trouve, moi, plutôt technique, hein, avec des riffs assez complexes. Hein. Moi, je vois d'un point de vue extérieur, je ne suis pas un guitariste très, très expérimenté, mais voilà, je trouve que c'est une musique qui est plutôt complexe, avec des touches industrielles qui sont vraiment intéressantes. Il n'y a pas eu de blast de passage rapide, mais bon, ça n'empêche pas des passages plutôt bien saccadés, avec pas mal de double grosses caisses. Il n'y a pas non plus énormément de solo. Par contre, par exemple, sur un titre sur Among the Gods, il y a un passage en tapping que je trouve absolument divin. Hein, bon, c'est peut-être le titre qui a donné ça. Ah, ben voilà, absolument divin, parce que ça met là aussi une très 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 belle ambiance qui casse un petit peu le côté du morceau. En fait, les morceaux de Breeding Chaos, ce qui est intéressant avec leur musique, eh bien, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre au début du titre. Il n'y a pas forcément l'enchaînement couplet, refrain, pont, refrain, couplet, enfin, qui est habituellement dans la musique, dans le métal. Hein, même si le groupe de métal casse souvent ses codes. Hein, je ferai bientôt un long passage sur Monolith, un groupe que j'ai découvert pendant les vacances, où là, on a des morceaux de 50 minutes qui ne se répètent pas. Il n'y a pas de couplet, refrain dedans. Breeding Chaos, bah, c'est un petit peu ça, il y a ce côté, alors les morceaux sont plus courts, hein, il y a entre 4 et 5 minutes, hormis les deux instrumentaux qui ouvrent et qui ferment l'album, donc Distant Planets et Bitter Closure, et également un instrumental en plein milieu, donc Pillar of Creation, qui tombe pile, voilà, pour avoir une vraie respiration au milieu de tout ce déchargement de violence et de brutalité. Le chant, alors, un chant très guttural, très rauque, très mis en avant, relativement grave. Moi, j'adore ce type de chant, hein, très franchement. Ça convient tout à fait donc aux paroles, ça convient tout à fait au style. Et donc, je le redis, musicalement, alors même si on a parfois tendance, il faut bien tendre l'oreille, j'écoute au casque, hein, pour bien entendre la basse, voilà, un mix franchement bien fait, un excellent son,
Et c'est là, je redis, hein, c'est vrai que maintenant c'est extraordinaire de voir ces groupes qu'on a l'impression qu'ils sortent de nulle part avec un son souvent démentiel, hein, au minimum un très bon son. Alors que dans les années 80, 80, 80, 85, 86, les premières démos des groupes cultes qu'on connaît tous, franchement, il y en a, quand on les réécoute, on se dit, ouh là là, c'est. On sent que c'est enregistré, voilà, avec les moyens du bord, avec le Walkman posé en plein milieu de la carrée. Et puis, boum, roulé jeunesse, on enlevait la sauce, on voyait ce que ça donnait. Il y avait parfois un petit peu de mixage, lorsque le groupe s'est un 4 pistes, par exemple, mais voilà, c'était pas toujours évident. Maintenant, je le redis, avoir un bon son, c'est relativement simple, entre guillemets, mais surtout, ça montre que la musique en France est professionnalisée, là aussi. Hein, c'est un point qu'on n'avait pas il y a une trentaine d'années. C'est vrai que maintenant, vous tapez n'importe quel titre sur Internet, vous allez trouver toujours un Gugus qui vous a fait un tuto sur YouTube, ou la partition, ou alors le fichier GP3, pardon, GP3 pardon, qui va dans Guitar Pro. C'est beaucoup plus simple, entre guillemets, d'apprendre la musique. Il y a plus d'écoles de musique, il y a plus de gens qui sont au fait de la musique. On apprend plus que la flûte avec. Hein. Près de chez moi, il y a un collège, je vous assure, qui est fourni en instruments. C'est absolument hallucinant. Il y a des percussions, il y a une batterie, il y a une basse, il y a une guitare, il y a une guitare électrique, une guitare acoustique. Alors là, je pense que les élèves de ce collège doivent bien s'éclater. En connaissant le prof, il fait tous les ans un spectacle de fin d'année assez, assez costaud. C'est leur chroniqueur passion. Enfin, voilà. Donc, je m'égare un petit peu, je reviens donc sur Blooming Chaos. Hein. Voilà, donc franchement, un excellent album. Si vous avez aimé le premier album, qui je crois, enfin le premier mini-CD qui avait été tiré une centaine d'exemplaires, franchement, vous ne pourrez qu'adhérer à Blooming Chaos. Et je vous mettrai le lien évidemment en dessous, hein, pour pouvoir aller checker, voir si ça vous plaît ou pas. Mais comme Eclectic Grave, eh bien, là aussi, j'oserais dire, c'est un slogan très commercial, donnez une chance au produit, écoutez, et si ça vous plaît, commandez. Parce que vraiment, c'est vraiment excellent. Alors, je sais que je dis souvent ça. Alors, on va m'accuser, je vais dans un commentaire, d'être très bon public. Bah oui, c'est vrai que je suis plutôt bon public. Il n'y a pas beaucoup de groupes que je n'aime pas, ou des albums que je trouve franchement décevants. Hein. J'arrive toujours à trouver le positif, même dans quelque chose qui est un petit peu négatif. Voilà. Donc, je rappelle, donc, Blooming Chaos, Distant Planets, excellent album. Hein. Checkez, si ça vous plaît, commandez. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce disque. N'hésitez pas à partager la vidéo, bien entendu, à la liker, c'est, je le redis, c'est important pour le référencement. Et surtout, eh bien, continuez à soutenir l'underground, hein, comme vous le faites, alors, via ma chaîne, mais via d'autres chaînes, évidemment. J'en ai encore découvert il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé assez sympa. Je ferai sans doute un jour une petite vidéo, voilà, sur les différentes chaînes métal qui vraiment me plaisent beaucoup, hein, parce qu'il y en a vraiment qui sont excellentes. Et c'est pas forcément les plus connues, hein, il n'y a pas que Metallica ou Maxwell dans la vie, hein, si vous voulez dire. C'est des chaînes plus petites, comme la mienne, avec une audience moins importante, mais qui sortent des sentiers battus, qui vont défricher des choses différentes. Voilà. Donc, je le remets encore, mais de toute façon, il y aura quelques scans, hein, qui passeront, vous allez passer dans la vidéo. Hein, Blooming Chaos, du Fashion Writer. J'en profite pour dire un grand coucou à Bruno, hein, je sais qu'il regarde mes vidéos. Il a dit qu'il viendrait peut-être jouer dans le coin, alors bon, on verra bien. En tout cas, si Blooming Chaos veut venir jouer dans l'Est, ce serait tout à fait génial de pouvoir les voir en concert. Ah, puis bon, honnêtement, physiquement, avec Bruno, on s'est pas vu depuis au moins une trentaine d'années. Allez, salut!